Morgan, allez, Iden, les sujets aujourd'hui, le Lunich Matrichon Ben Fortune Mazal, Kloditrak Ben Fortune Mazal, Amramina Ben Chana, Ve Shalom, et Shimon Ben Eleo, Ve Kuka. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Beitza, Perikai, Mishnah Bet, Kol Shechai Venalav, Mishum Shvut, Mishum Rishut, Mishum Mitzvah, Beshabbat, Venalav, Beyom Tov. Velo en Mishum Shvut, Lo Olin Bailan, Velo Rochvin al Gabe Beima, Velo Shatin al Pena Maim, Velo Metaprin, Velo Mesapkin, Velo Miragdin, Ve Elo en Mishum Rishut. לא דנין ולא, ולא מקדשין ולא חולצין ולא מיימין ולא אין משום מצווה לא מקדישין ולא מעריכין ולא מחרימין ולא מגביהין תרומות ומעשרות כל אלו ביום טוב אמרו כלומר חומר בשבת אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד. Très succinctement, la Mishnah, elle va expliquer que tout ce qui est interdit pendant Shabbat, c'est aussi interdit pendant Yom Tov. Chachamim ont décrété toutes sortes d'interdits pendant Shabbat. À Shabbat. En général, ce sera de peur qu'on en vienne à écrire, ou parce que c'est une conduite trop profane, de peur qu'on va se mettre à cueillir des couper une brindille, ou quelque chose comme ça, d'accord? Toutes sortes de décrets que Ramim ont fait à Shabbat, la Mishnah vient de dire, sache qu'ils sont en vigueur aussi à Yom Tov, car la seule différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est qu'à Yom Tov, tu as le droit de cuisiner, et de faire tous les travaux qui sont en rapport avec le profit corporel, mais au-delà de ça, tout devient interdit, comme à Shabbat. Donc ce que Ramim ont fait comme décret, ce sera aussi en vigueur à Yom Tov. Ça, c'est la donnée générale, donc du coup, on va découvrir toutes sortes d'actions, de décrets que Ramim ont fait. La petite difficulté de notre Mishnah, c'est de comprendre plus précisément, on va s'attendre à catégoriser trois sortes d'interdits midrabanan. Il y a d'abord ce qu'on interdit, Mishum Shevut. Les choses qu'on interdit, Mishum Shevut, c'est que Ramim, Shevut, Midrashon, Lishbot, Shomé. Tout ce que Khamim ont décrété que ce sera interdit, on t'a imposé de chômer, donc c'est un interdit midrabanan. Et à l'autre extrême, il va y avoir ce qu'on appelle les interdits de mitzvah. Bien que ce sont des mitzvahs de les réaliser, Khamim ont décrété un interdit pour des quelconques raisons, comme ce qu'on va évoquer ensuite. Et il y a un intermédiaire qui sont des actions qui sont positives, voulues, mais pas imposées. D'accord? Ça s'appelle Rishut. C'est-à-dire qu'il y a une base de mitzvah, mais que tu n'accomplis pas pleinement pour accomplir une mitzvah ainsi. D'accord? La mitzvah, donc, elle me dit, Kol shechayvin alav mishum jevut, mishum rishut, mishum mitzvah beshabbat. Toute chose qui est interdite à cause de jevut, donc les interdits de Rabbanan que Rami ont décrété, de ne pas les réaliser, comme ça, c'est sûr qu'on va bien chômer à Shabbat. Ou encore mishum rishut, ou bien ceux qui ont encore une petite part de mitzvah, ou bien mishum mitzvah, ou bien ceux qui sont réellement interdits à cause d'une grande mitzvah, et qui malgré tout sont interdits de faire pendant Shabbat, beshabbat. Toute chose qui est interdite pendant Shabbat, eh bien, Chavin Alav Yom Tov, on est aussi obligé à Yom Tov de le préserver, de ne pas le transgresser. Il est en vigueur dans toute son ampleur. Veloen Meshum Shavut, telles sont les choses que Chavim ont décrété Meshum Shavut, à Shabbat comme à Yom Tov. Alors, Lo Olin Ba'ilan, on ne montera pas sur un arbre. Velo Rochvin Al Gabe Bema, on ne montera pas sur un animal, monter un animal, chevaucher un animal. Pourquoi? Parce que de peur qu'on va s'être à couper une brindille. Ou bien, si tu montes sur l'arbre, tu vas peut-être t'accrocher, tu vas arracher une brindille, une branche. Et idem aussi, si tu vas te mettre à monter à cheval, tu vas vouloir prendre une branche pour pouvoir le fouetter. Ah non, décrété, on ne monte pas sur un cheval à Shabbat. Et ni à Yom Tov. Velo rochvin al gabe bema, ça on l'a dit. Velo chatin al pene amaim, et on ne nagera pas sur de l'eau dans un ruisseau. Un interdit aussi des rabananes que Khamim ont fait, de peur qu'on va se mettre à fabriquer un radeau. Je ne sais pas avec quelle facilité ils fabriquaient des radeaux à l'époque. Apparemment, c'était très fréquent. Et du coup, la Mishnah me dit, ben, tu n'auras pas le droit de nager, de peur que tu vas te mettre à fabriquer un radeau. Idem encore, velo metaprin, velo mesapkin, velo miraglin. On ne... Les tapers, c'est frapper des mains. On ne frappera pas des mains. On ne frappera pas des mains sur les cuisses. C'est mesapkin. Kaf alierer. Velo, meragdin, et on ne dansera pas non plus. Toutes ces choses-là ont été interdites à Shabbat, de peur qu'on va se mettre à fabriquer un instrument de musique. À l'accorder même, c'est aussi une transgression, midorita. D'accord? Ça c'est pour la première catégorie. Deuxième catégorie, ve'elu mishum rishut, telles sont les choses qui sont interdites à cause de rishut, c'est-à-dire qui entrent dans le domaine de ce qu'on appelle des rishut. Des choses qui ont une petite tendance à mitzvah, même si ce n'était pas franchement la mitzvah, malgré tout, Khamim ont encore maintenu leur décret à Shabbat comme à Yom Tov, plutôt. L'Odanin, on ne jugera pas, on a de peur qu'on s'attaque à écrire les conclusions du Bedin. Velo Mekadeshin,
et on ne sanctifiera pas, c'est-à-dire plus précisément, on ne fera pas les kiddushin d'une femme. On ne se mariera pas avec une femme pendant Shabbat, de peur de nouveau qu'on va écrire un contrat, une ktuba. Velo cholzin, velo miyamnin, on ne fera ni la chalisa, ni le yiboum. On parle ici de la femme qui est décédée, dont le mari est décédé, sans laisser de progéniture. Ses frères ont le devoir de la prendre, un de ses frères a le devoir de la prendre en femme. Et en fait, il faut savoir que là, tant qu'il y a le grand frère, c'est le grand frère qui doit s'occuper de ça. Si toutefois un autre frère qui veut s'occuper de ça, de lui faire avec elle le hiboum ou de lui faire la khalitsa, eh bien, il faut qu'il sache qu'il n'accomplit pas la mitzvah pleinement. La mitzvah pleinement, elle incombe au frère et pas aux autres frères, au grand frère et pas aux autres frères. Donc du coup, la mitzvah les a classifiés dans les reshout. Des choses qui ont une petite tendance à la mitzvah, mais qui ne sont pas que la mitzvah uniquement. Et voilà. Donc ça, et tout ça, c'est interdit, comme on a dit, de peur qu'on va se mettre à écrire pendant Yom Tov ou pendant Shabbat. Mais là, les mishum mitzvah, quels sont encore les autres décrets que Ramim ont décrété de ne pas les réaliser à Shabbat comme Yom Tov, bien qu'il y ait en eux une réelle mitzvah, il y a premièrement lo magdishin, on ne sanctifiera pas un bien pour l'offrir au Bet HaMikdash. On fait une transaction, en fait. Et selon le principe velo marichin, velo macharimin, on ne prononcera pas un erer, on veut donner la valeur de telle personne au Bet HaMikdash, la valeur d'un homme, la valeur d'une femme au Bet HaMikdash. Il y a, eh bien, c'est une mitzvah, malgré tout, Ramim a décrété de ne pas le faire. Pendant Yom Tov, de nouveau, sur le même principe, de peur qu'on va se mettre à écrire ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Velo macharimin, et eux aussi, on ne fera pas un cherem. Cherem, c'est le fait de, je ne sais pas le mot exact, d'excommunier, ou je ne sais pas, et un bien, de dire que plus personne n'en tire profit. Ça, c'est en fait un cherem. Quand on fait ça, ça tombe, ça devient le bien, la propriété des kohanim. Ok ? Et voilà. On a voulu rendre un bien cherem, en deux mots, on l'a fait passer maintenant pour la propriété des koanimes, on ne le récupérera plus jamais. Et là, il y a une mitzvah, c'est comme un éder, c'est comme un vœu, malgré tout, c'est interdit, mais les rabbanan de faire pendant Shabbat ou Yom Tov, de peur qu'on souhaite à écrire. Selon le principe, velo magbihin, tourmot ou masrot, on ne prélèvera pas ni des tourmot ni des masrot aussi pendant Shabbat ou Yom Tov, de peur que, puisque c'est assimilé à une transaction. Ok ? Kol et l'obéyom tov amour, toutes ces choses-là qu'on a évoquées sont interdites à Yom Tov. Kal vachomer, mais Shabbat a plus forte raison aussi, elles seront interdites à Shabbat où il n'y a aucune permission qui est donnée. En ben Shabbat le Yom Tov, en ben Yom Tov le Shabbat et la ochel nefesh bilvad. La Mishnah conclut en me disant, sache que l'unique différence qu'il y a entre Yom Tov et Shabbat, c'est que la préparation des repas. Ochel nefesh bilvad, la préparation des repas nécessaires pour vivre, pour le bien-être pendant Shabbat, c'est l'unique différence qu'il y a entre Shabbat et Yom Tov. C'est-à-dire, en fait, la Mishnah vient conclure. Sache que, à part le domaine de la préparation des aliments, sur tous les autres plans, Shabbat et Yom Tov sont équivalents, tous les interdits sont en vigueur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, comme tout ça.